Soupadoupa en trois volumes. On va dire que c'était un album concept et, ou un concept album, ou je sais pas comment dire. Bon, en fait, on avait besoin, je trouve, de concept un petit peu dans le reggae. Ça se fait, c'est pas des choses qui se font. Et nous, dans notre idée, on voulait un petit peu secouer la façon dont les choses se font habituellement. À la base, on n'avait pas du tout prévu d'ailleurs que ça se passe en trois exemplaires comme ça. À la base, on avait prévu de faire un vinyle 9 titres. Et puis on voulait mettre ça en téléchargement gratuit. Tu vois, on voulait vraiment rendre hommage à la forme dont ça se fait traditionnellement, c'est-à-dire vinyle avec une bonne qualité vinyle. Et puis on se disait que le digital, ça serait à côté. On a fait évoluer le concept parce que tout simplement, puisqu'on a fait un peu tout nous-mêmes dans la conception, ça a pris énormément de temps. Ouais, parce qu'il faut dire que c'est autoproduit, hein. C'est chez. Ouais, voilà, c'est ça. Chez Inouï Distribution, c'est en promo chez Musical Impact, mais c'est vous qui faites tout. Vous-même. Du coup, je rebondis sur les 9 titres parce que on peut voir, hein, pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui ont déjà vu les deux premiers, on peut voir que sur le troisième, là, qui sort le 23 avril, il y a effectivement les 9 titres dont tu parles. Mais sur le premier, qui lui est sorti le 4 mars, et sur le deuxième, qui lui est sorti le 26 mars, il y a à chaque fois 12 titres. Donc, effectivement, tout ça, ça ne rentrerait pas. Il faudrait faire une sélection vraiment pointilleuse pour en garder que 9 sur tout cela. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.